Ok, on a vu dans la vidéo précédente, dans une vidéo plutôt théorique sur les couches et les types de couches, on va maintenant voir comment remplir ces couches avec ce qu'on appelle des entités, puisque les couches peuvent contenir et doivent contenir des informations géographiques, donc des points, des lignes et des surfaces, mais également des informations numériques, qu'elles soient textuelles ou chiffrées. On va donc recréer un nouveau fichier. Pas la peine de garder ce qu'on a fait, ou alors, si on a un peu la flemme, on peut venir supprimer toutes nos couches en faisant clic droit, supprimer les couches, et en gardant que la couche OpenStreetMap, par exemple, pour garder le fond. On va choisir, puisqu'on peut se le permettre, un autre endroit. Écoutez, je ne sais pas trop où on va aller. Allons par exemple aux États-Unis. OK. On va donc créer une couche, un peu celle qu'on veut. On va par exemple, faire une couche temporaire, comme on avait déjà fait. Et on va appeler cette couche ville. En type de géométrie, on va choisir point, WGS84, et le reste, on laisse. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les couches temporaires, quand on ajoute une couche temporaire, il y a un petit crayon qui s'affiche. Ce petit crayon, c'est quoi? C'est le mode édition de ma couche qui est activé. Donc il y a deux comportements possibles. Soit le mode édition est désactivé. Et dans ce cas-là, je peux me balader sur ma carte, faire des opérations, etc. Soit je suis en mode édition et je vais rajouter des entités dedans. Donc, quand on rajoute une couche temporaire, le mode édition est par défaut activé. On peut le désactiver comme on l'avait vu ici, en cliquant sur le petit crayon. Ici, je ne suis plus en mode édition. Ou on peut également faire clic droit, basculer en mode édition. Ici, je suis en mode édition, j'ai mon petit crayon, je vais pouvoir ajouter des entités. Ici, mes entités de points, je vais pouvoir les ajouter en venant cliquer sur cette icône-là qui est Ajoute entité ponctuelle. J'ai plus qu'à cliquer n'importe où sur ma carte pour ajouter des points. Si je veux supprimer le dernier point que je viens de faire, j'ai juste à faire CTRL Z et revenir en arrière. Ok, là j'ai mis des points au hasard, je vais enregistrer ma couche et sortir du mode édition. Normalement, quand on sort du mode édition, par défaut, ça vient enregistrer les modifications qu'on vient de faire. Donc on n'était pas obligé de cliquer sur enregistrer, c'est juste pour vous montrer. Là, j'ai des informations géographiques, des points aux États-Unis, mais j'ai aucune information de rentrer dans ces points. Je peux venir faire clic droit, montrer le décompte des entités. QGIS me dit ici que j'ai 6 points sur ma carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien ça. Et pour voir les informations qu'elles contiennent, je peux soit aller chercher cette option-là, identifier les entités, choisir un de mes points. Il s'affiche en surligné rouge. Et il me dit qu'à l'intérieur, à part des options de coordonnées, X et Y, eh ben, j'ai un peu rien dedans. Une autre manière de voir ce qu'il y a à l'intérieur de mes points, c'est de faire clic droit, ouvrir la table attributaire, et la table attributaire me dit que j'ai 6 entités, 6 points, il me dit ici aussi, total 6 points, et que j'ai encore aucune information. Quand j'aurai des informations, il y aura ici un espèce de petit tableau Excel avec des colonnes, puisqu'on peut, et on va le voir ça tout de suite, rajouter plusieurs informations sur un même point. Ok, donc je vais donc rajouter des colonnes. Pour ajouter des colonnes, il va falloir que je clique sur cette icône-là qui est grisée. Il est grisé parce que ma couche n'est pas en mode édition. Donc je vais venir sélectionner ma couche, passer en mode édition avec le petit crayon, retrouver ma fenêtre là qui avait disparu. Et maintenant, ici, je suis également en mode édition dans la tablette attributaire. Donc ça, c'est un truc important. Une couche, quand elle est en mode édition, je peux à la fois changer ces données de forme géométrique, les positions des points ici, mais également les informations que ces points contiennent. Donc, je vais venir cliquer sur cette petite icône qui est Ajouter un champ. Donc, une colonne dans QGIS, ça s'appelle un champ. Et je vais avoir plusieurs types de champs que je vais pouvoir renseigner. Le type de champ, c'est ça, ici. Bon, déjà, on va donner un nom à notre champ. On va par exemple, dans un premier temps, enregistrer le nom des villes que l'on rajoute. Donc on va dire
nom de la ville ou juste ville. Un commentaire pour expliquer ce à quoi ce champ fait référence. Ici, c'est assez évident, on n'est pas obligé de le remplir, c'est facultatif. Mais je pourrais écrire par exemple nom de la ville. Et très important, le type de valeur de ce champ. Si je regarde les types possibles, eh ben, il y en a plein. Ouh là là. Il y en a plein, mais en gros, il n'y en a que trois différents. On a d'abord le type chaîne de caractères du texte. Donc dans ce champ, je vais pouvoir enregistrer du texte. A, B, C, D, des noms, des phrases. Par défaut, je vais être limité, c'est ce qu'on va pouvoir régler ici dans la ligne longueur, je vais pouvoir enregistrer que 10 caractères. Donc A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Voilà, une phrase qui se limite à 10 caractères. Et je ne pourrai pas en rajouter de 11e. Si certains noms de villes sont un peu longs, et ben ça va poser quelques problèmes. Donc je vais augmenter ce champ-là. Techniquement, je peux aller jusqu'à 255 caractères. Ça fait déjà une assez longue phrase, c'est plus que Twitter. Pourquoi 255? Et ça, c'est pas forcément utile de le savoir, mais ça a un rapport avec les octets. Les octets, c'est quelque chose que vous connaissez, c'est le poids d'un fichier. Une photo fait plusieurs kilo-octets, ou plusieurs milliers d'octets. Une chanson MP3 fait plusieurs mégas, donc milliers de milliers, et votre disque dur fait plusieurs téraoctets, donc milliers de milliers de milliers. Et qu'est-ce qui se passe techniquement? C'est que 1 octet est composé de 8 informations. Cette information est assez simple, ça va être soit un 1, soit un 0. Vous avez vu Matrix? Vous voyez ces écrans qui défilent avec des 1 et des 0 de partout. Ce sont les octets. Donc, un octet est composé de 8 chiffres, et la combinaison de ces 8 chiffres binaires, 1 ou 0, va nous donner une information, un chiffre ou un texte. Ça veut dire qu'avec cette combinaison, on a possibilité de 2 puissance 8 combinaisons, soit 256 valeurs. 256, c'est pas 255, c'est parce que typiquement, comme dans beaucoup de champs informatiques, le 0 compte comme une de ces possibilités. Donc je peux aller de 0 à 255, qui me fait bien 256 valeurs possibles. Ok, ça c'était une blague, culture générale, pour le Trivial Pursuit ou vos dîners en famille. Ok, donc je vais donc créer ce champ de texte et faire OK. Je vais créer un nouveau champ et je vais choisir, par exemple, ici, d'y faire figurer la population. Ou non, je vais mettre le rang. Le rang, en commentaire, je pourrais mettre l'importance de cette ville. Le rang, ça va être un chiffre entre 1 et je ne sais pas combien, un chiffre entier. Donc je vais choisir le type chiffre entier. Ce n'est pas un chiffre décimal, réel à virgule, qui va représenter une valeur, 1,5, 2,0, 3,14, 955, voilà les décimales de pi, pour la petite blague. Donc on va bien rester sur les chiffres entiers. Cette fois-ci, pour les chiffres entiers, je vais avoir également devoir régler la longueur de ces chiffres, combien de chiffres je vais pouvoir ajouter. Et là, je ne peux pas aller jusqu'à 255, je peux aller que jusqu'à 10. Mais 10, ça va déjà me faire un chiffre de 1 puissance 10, donc 1 ou 1, non, de 10 milliards. Donc je vais pouvoir aller de 0 à 999 999 999, qui fait déjà des chiffres assez gros. Donc on va laisser sur 10. Ok. Je vais maintenant également créer un nouveau champ et je vais y indiquer par exemple l'altimétrie. L'altimétrie ou l'altitude. Encore une fois, il n'est pas obligatoire de remplir ce champ de commentaires. Si, c'est juste pour la démo. Et donc je vais choisir un nombre décimal réel. Là, j'ai une nouvelle option qui s'affiche. J'ai la longueur de mon chiffre. Ne me demandez pas pourquoi. Celui-ci, je peux l'augmenter jusqu'à 32 et non plus 10. Et j'ai également une nouvelle option à renseigner qui est la précision. La précision, ça va être le nombre de chiffres après la virgule. Donc là, je vais pouvoir avoir un chiffre de 32 unités dont 3 vont être des décimales.
Donc, je ne sais pas combien de milliards, virgule 000. Donc, je vais augmenter un peu ce chiffre. Je vais me mettre par exemple à 16. Ça n'a aucun intérêt d'avoir des chiffres aussi gros. Je ne trouverai jamais l'altimétrie avec 16 chiffres après la virgule, mais c'est juste, encore une fois, pour la démo. Je fais OK. Voilà, je voulais mettre la population, mais je mets le rang. La population est un chiffre entier. Il n'existe pas de personne 0,5, à part peut-être Madame Thatcher, Maggie ou Donald Trump. Blague à part, j'ai maintenant 3 informations possibles pour chacune de mes formes. OK, je vais enregistrer, fermer cette fenêtre, retourner dans QGIS. Et avant de rajouter des informations, on va voir comment les modifier. Là, j'ai ajouté des points un peu n'importe où. Et si je veux modifier la position de mes points, je vais aller chercher cette option-là, l'outil de nœud. L'outil de nœud, c'est facile, je choisis un point et je le bouge. Donc ici, ce point, je vais le bouger à Los Angeles, ce point-là à Phoenix, ce point-là à Washington, ce point-là à New York. Et a priori, sur ma carte, j'ai pas d'autres points qui s'affichent, à part Toronto et Ottawa. Bon, ils sont plus aux États-Unis, ils sont au Canada. Donc par exemple, ces deux points-là, je vais venir les supprimer. Pour les supprimer, je vais venir les sélectionner et taper « Supr » au clavier. Mes entités ont disparu. Si j'enregistre un petit bug, c'est pas grave. OK, donc ça, ce sont les 4 villes principales des États-Unis. Et je vais venir renseigner quelques informations. Donc, par exemple, je vais venir réouvrir la table attributaire. Ah, vous voyez, par exemple, là, j'ai fait un peu une bêtise. J'ai supprimé les points et pas leur table. Donc, je vais sélectionner le point 5 et le point 6 et les supprimer. Ils étaient plus visibles, mais là, ils n'existent plus. Alors, mon point 1, c'est Los Angeles. Donc, dans ville, nom de ville, je vais taper Los Angeles. Ma deuxième ville, si je la sélectionne, c'est Phoenix. Donc, je vais taper ici Phoenix. Juste avant, pour vous montrer, ici, j'ai réglé ce champ en texte. Je peux rajouter des chiffres, puisque c'est un peu bizarre, mais les chiffres sont également du texte. Mais il faut faire hyper attention à ça, et on le verra plus tard dans les calculs. C'est que là, c'est une chaîne de caractères chiffres. Ça veut dire que je ne pourrais faire aucune opération chiffrée avec ça. Donc, on fait bien gaffe. Mais par exemple, dans rang, je lui ai réglé sur nombre entier. Nombre entier, eh ben, je ne peux pas rajouter de texte. Vous voyez, ça apparaît, et quand je veux valider, eh ben, ça disparaît. Pareil pour les chiffres à virgule, enfin non, pas pareil, mais si je mets un chiffre entier, il m'indique le chiffre réel avec, je crois qu'on avait mis 16 chiffres après la virgule. OK, je supprime. Donc là, c'était Phoenix. Le rang, non, on va déjà finir Washington. New York. Le rang, ce que je voulais mettre ici, c'était, vous voyez, à ce niveau de zoom de ma carte, il n'y a que 4 villes qui s'affichent. Donc, je vais leur donner un rang de 1. Bon, et l'altimétrie, en vrai, j'en ai aucune idée. Donc, je vais mettre des chiffres au pif, pas bien grave. Juste pour vous montrer aussi, les chiffres à virgule sont des chiffres avec des virgules. Si vous rajoutez un point pour ajouter une virgule, ça va automatiquement le convertir en virgule. Bon, ça pareil, c'est un peu technique et on le verra, mais dans Excel, souvent ça pose des problèmes entre la manière anglophone de spécifier les chiffres décimaux et la manière francophone. Bon, les virgules ou les points, c'est pas très grave. Hop là, je mets n'importe quoi, c'est pas grave. OK, je vais maintenant retourner dans QGIS et faire un niveau de zoom de plus. Un niveau de zoom de plus, j'ai plusieurs autres villes qui apparaissent, même pas mal. Je vais en rajouter certaines, donc rajouter une entité, et je vais rajouter par exemple Seattle. Et là maintenant, vu que j'ai renseigné les champs de ma table attributaire, à chaque fois que je vais rajouter un point, je vais avoir l'occasion de directement spécifier les informations qu'il contient. Donc ici, le nom Seattle, le rang 2, l'altimétrie, rien. On pourra venir le changer plus tard. OK. Un nouveau point apparaît et je vais pouvoir faire la même chose pour tout le monde. Je vais avoir un peu la flemme de le faire, donc je ne vais pas le faire pour tous. Allez, Lincoln, rang 2. La classe à Dallas, rang 2, etc.
Ok, là je passe mes points avec une précision toute relative, mais je peux, par exemple si je zoome sur Lincoln, quoique j'étais pas trop mal, venir modifier la position de ce point en le sélectionnant et en faisant outil de nœud et le replacer à peu près sur le centre-ville de Lincoln. Ok, great. J'enregistre, j'ai ma première couche de points. Là maintenant, on va essayer de créer des routes, donc des lignes. Donc je vais créer une nouvelle couche temporaire que je vais sélectionner en polyligne et je vais l'appeler les routes. Les champs, je verrai ça plus tard, voire même j'en ajouterai pas. Et là, pour créer des lignes, déjà avant je peux cliquer sur cette icône pour désélectionner tout ce qui est sélectionné. Ici j'ai un point de sélectionné, c'est pas très grave, mais si je clique ici, ça désélectionne tout le monde. Et pour créer des lignes, eh ben, ça va être là, exactement la même méthode. Je vais ajouter une entité. Mais si je veux rajouter des lignes entre mes points, vous voyez que, encore une fois, j'ai une précision toute relative. Pour finir une polyligne, il suffit de cliquer droit, avec le clic droit de la souris, pour finir ma ligne. Et pour en recommencer une nouvelle, recommencer à cliquer. Ok, là c'est pas mal, mais je disais une précision toute relative. Si je rezoome sur ma carte, je vais désactiver le rendu pour que ça aille un petit peu plus vite. Ah non, c'est une bêtise. Plutôt désactiver le fond OpenStreetMap. Vous voyez, ma ligne ne commence pas du tout au centre de mon point. Donc je vais venir reprendre ces lignes et les supprimer. Et pour dessiner des lignes qui s'accrochent à mes points, bah, je vais activer les accroches aux objets. Les accroches aux objets, elles se trouvent quelque part par ici, mais par défaut, elles n'y sont pas. Donc je vais faire clic droit dans cette barre de menu et venir activer l'accrochage. Il y a quelques options intéressantes. Celle qui nous intéresse le plus, c'est activer ou désactiver ces accroches. Et maintenant, quand je redessine une ligne, donc ajouter une entité, eh ben, QGIS s'accroche au niveau de ces points. Je pourrais venir. Voilà, plus je zoome, vous voyez que le point reste à la même taille en pixels, peu importe l'échelle. Si je veux voir ce point en plus gros, je me mets en loop 500, par exemple, pour bien voir que ma ligne s'est bien accrochée au centre de mon point. Je vais me remettre en 100, créer une autre ligne. Voilà. Donc ça c'était pour la création de ligne, rien de sorcier. Pour la modification de ligne, il y a quelques petites choses à savoir. Ça se passe avec exactement le même outil, l'outil de nœud, mais l'outil de nœud va nous permettre deux choses. Soit en m'approchant de ma ligne et en cliquant à peu près n'importe où, je vais pouvoir venir comme ça, tirer sur ma ligne. Deuxième possibilité que j'ai, si je m'approche sur le petit plus qui est au centre de ma ligne, je vais pouvoir venir recréer un nœud, ma ligne, un point, un vertex, bref, vous voyez, un coin. Ok, donc ça, je crois que c'est à peu près tout pour les modifications de ligne. Hop là, une fois que j'ai terminé, j'enregistre et je désactive le mode édition. Et voilà. Nouvelle couche que je vais pouvoir rajouter, c'est une couche par exemple des surfaces. Donc je vais recréer une couche temporaire, je vais appeler ça pays par exemple, et je vais choisir polygone WGS84, comme tout à l'heure. Et ce polygone, je vais venir dessiner les contours des États-Unis, bon, à peu près à la louche, toujours la même méthode, l'icône a changé mais c'est le même, ajouter une entité polygonale, et je vais venir dessiner rapidement. Voilà. Et la différence des polygones avec les lignes, c'est que un polygone est forcément fermé. Une ligne peut être ouverte ou fermée. Là, j'ai dessiné deux lignes ouvertes qui ne se referment pas sur elles-mêmes. Là, un polygone est forcément fermé. Donc, une fois que j'ai dessiné le contour de mon objet, ben, je fais clic droit pour valider. Ok, je vais remettre un petit peu d'ordre dans mes couches. Souvent, on met les couches de surface en dessous, puis des couches
de lignes linéaires, puis les couches de points. Voilà, plutôt dans cet ordre. Encore une fois, pour modifier ma couche surface, eh ben, ça marche exactement pareil que les autres outils de nœud. Soit je viens décaler un côté, soit je viens rajouter un point pour un peu plus de précision, soit je viens modifier un point existant, etc. etc. Un petit truc que j'ai oublié de dire également, c'est si je recrée un autre polygone, par exemple pour Cuba, pareil je vais le dessiner un petit peu vite, et si vous êtes trompé quelque part, là vous êtes allé un peu trop loin, si vous faites CTRL Z, eh ben, il ne se passe rien. Pour annuler un dernier point, il faut utiliser la touche Backspace, qui est la touche qui est la flèche en arrière, qui est juste au-dessus de votre touche Entrée, bon ça dépend des claviers, mais bon, vous voyez, celle pour effacer en arrière, pour revenir en arrière. Petite subtilité, je ne sais pas pourquoi CTRL Z marche avec les points et pas avec les polygones, mais c'est comme ça. Ok. J'ai des points, des lignes, des surfaces. Je vais recliquer sur ce bouton pour tout désélectionner. Vous voyez, ma surface était sélectionnée, elle était jaune. Donc QGIS, tout ce qui est sélectionné est jaune, qu'importe sa couleur. Voilà, c'est pour ça qu'on le verra dans la symbologie. C'est une couleur qu'on essaye d'éviter dans QGIS. Mais bon, on verra ça un peu plus tard. Les deux dernières petites choses que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut effectivement avoir plusieurs couches en mode édition simultanément. Ici, ma couche des points, des lignes et des surfaces. Pour modifier mes points, il faut que cette couche soit sélectionnée dans mon gestionnaire de couches. Si j'ai ma couche pays activée, eh ben, je ne peux pas activer l'outil nœud pour modifier mes points, je viendrai modifier que les contours de mon polygone. Si j'ai ma couche de ville et que je viens chercher l'outil nœud qui de toute façon est activé, là je vais modifier mes points. Autre petite chose, il y a aussi ici un méga crayon qui est 3 crayons rouges qui permet rapidement d'enregistrer par exemple toutes les couches qui sont en mode édition. Donc plutôt de le faire une par une, c'est assez pratique. On a également une option de retour en arrière, l'espèce de CTRL Z ou Backspace. Et voilà, c'est tout. Ok, donc je vais désactiver le mode édition de toutes mes couches. Il me demande si je veux les enregistrer. Si je l'enregistre avant ou si je n'ai pas fait de modification, il ne me le demande pas. Là, j'enregistre. Ok. Et une dernière tout petite chose que je voulais vous montrer pour la sélection. Soit on peut venir sélectionner, comme on avait vu, là par exemple je suis sur mes villes, sélectionner ma ville graphiquement, ici dans l'espace de ma carte. Soit je peux venir sélectionner par une valeur. Sélectionner par une valeur, ça veut dire par exemple, je peux venir essayer de chercher dans ma grosse liste de points qui contient 8 points, alors là c'est pas énorme, mais vous allez voir, on va sans doute travailler avec des centaines, voire des milliers de points, je peux venir sélectionner ma couche qui s'appelle Phoenix. Ok, sélectionner des entités. Une couche a été trouvée. Oups, là, pardon. C'est bien celle-là. Donc ça, c'est pour trouver des points uniques. Chaque ville a un nom. Et encore que aux États-Unis, il y a plein de villes qui ont le même nom, mais bon, mauvais exemple. Là, dans les 8 que j'ai mis, ça va. Je peux venir aussi sélectionner des entités avec une petite opération. Là, on va faire un truc assez simple. On va dire, par exemple, je vais, en venant cliquer ici, sélectionner l'opération égale pour sélectionner toutes mes villes dont le rang est égal à 1. Sélectionner, il me sélectionne les 4 premières villes que j'ai créées en premier. Si je fais différent de 1, il va me sélectionner forcément celle où le rang est égal à 2, et il y a d'autres types d'opérations, supérieur, supérieur ou égal, plus petit, etc. Donc on commence à voir vite fait, même si là on ne fait pas grand chose d'intéressant, commencer à voir l'intérêt des SIG. Eh bien, c'est à peu près ce que je vous propose dans la prochaine vidéo. En gros, les SIG ne sont pas seulement des espaces de travail d'objets vectoriels, comme sur Illustrator ou AutoCAD, on va pouvoir venir faire des opérations même simples, mais qui vont vraiment nous simplifier la vie. Que ce soit sur la mise en forme, l'analyse ou le traitement.